Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Stylobo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc, aujourd'hui, on est dans le monde de solo, l'habituto. Donc, ceux qui connaissent pas ma série l'habituto, c'est une série que j'ai fait. Oh, ça lag. La 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 la. Ah, ça lag. Voilà, merci. C'est une série que j'ai fait, c'est pas une série, ouais, c'est comme une série, on va dire que c'est une série, où, allez voir, je vous conseille d'aller voir la vidéo, je modifie ma chaîne, elle va tout vous expliquer dedans, donc j'ai entendu des orages, et c'est ça, je crois, qui me fait lag. Je crois qu'on va enlever la météo tout de suite, parce que ça me fait lag, ouch, les orages. Alors, on va faire jour, oui, oui, si vous n'avez pas vu, heures clair, jour, ah, voilà, merci, quand c'est le jour, c'est bon, donc, je sais pas pourquoi ça lag, ouch, ouch, ouais, les gens, je porte ce lag, donc, on se retrouve dès que, j'ai enlevé ce petit lag à tout à l'heure. Eh bien, les amis, donc c'est bon. Ça ne lag plus, comme vous pouvez le voir si je fais ça. Voilà, ça ne lag plus. Donc, c'était mes chunks. Ils étaient à 23, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, donc comme je vous disais, allez voir ma chaîne. Je modifie ma chaîne. Ça va tout vous expliquer sur... sur l'habituto, donc l'habituto bien sûr c'est un monde solo où je vis tout seul, un petit genre des tutos sur YouTube avec des systèmes redstone, des tutos command block. Donc si vous n'avez pas vu quand j'ai fait cette salle, c'est vers ce petit spawn, les petits command blocks ici, le clear lag hein, bien sûr, qui se parle un petit peu trop. Donc voilà, donc j'ai fait un give a command block, ça marche. Wizard Clear, bah, y a pas plus, regardez, si on met un C, Wizard R1. Là, vous voyez bien. Regardez. Hop, il pleut. On se met en bas. Wizard Clear. On va en haut. Et il ne peut plus. Ouh, là, j'ai entendu un bruit. Ah non, c'est bon. Il n'y a plus, là. Donc, le jour, c'est pareil. Stage time set night. Voilà, donc il fait nuit, hop, on met le jour. Game mode 1, c'est pareil, slash game mode 0. Pareil, voilà. Et le slash kill. Attendez, slash camera qui porte false, voilà. C'est pas, ah, c'est pas false, mais c'est true. Parce que des fois, je me trompe un petit peu. Voilà, donc voilà. Vous avez vu, le clear lag, suppression des entités. Ça a supprimé carrément mon command block. Pourquoi ça aurait fait, parce que j'en ai besoin pour le tuto. Voilà, donc kill les items. Donc c'est pareil. Je mets un item ici. Hop. Il disparaît. C'est pareil pour le clear lag. Je mets du fer ici. Pour l'instant, regardez. Difficulté. Hop, on va prendre F. Non. Je vais prendre ici. Mais on va prendre de blaze. Enfin, de ou de cube de magma, on peut pas faire apparaître difficulté easy. On peut. Regarde, vous avez vu, le fer a disparu. Puis là, je mets un pile fou, elle a disparu. Et oui. Et puis là, t'es pour clear lag, donc le clear lag vient. Wow. Ah, attendez. Normalement, clear lag, c'est pas du tout ça. Je vous confirme. Normalement, quand même, il est pas comme ça. Normalement, il n'y a pas autant de redstone comme ça. Hein. Donc, je vais... Du coup, ça ne sert à... Olé. Ah, c'est bon. J'ai lag pendant un petit moment. Ça a fait freeze, ça a freeze mon ordinateur. Je ne peux plus rien faire. Donc, désolé pour ce petit bug. Donc, ça, c'était un petit test pour... tout à l'heure, j'avais fait un petit test pour activer Clear Lag et désactiver, j'y arrivais pas, j'ai pris bon, 15 minutes à essayer de régler et tout. Bon, je l'ai fait pour rien, du coup. Ah, du coup, Clear Lag, il s'est désactivé.
Ok, voilà. Donc, les commandes blocs là-bas, ne faites pas y attention. Hein. Moi, je voulais faire un petit truc. Hop, voilà. Donc, regardez tous ces commandes blocs. Donc, ça, c'est pour la game mode 1. Le wither clear, le command block. Time set day. Yep. Après, sinon, regardez, si je fais comme ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et ben, ça va activer tous les commandes blocs. Du style, j'appuie sur le bouton pour jouer à command block. Et après, ça va faire wither clear. Après, time set day. Après, game mode 1. Après, kill. Après, kill to hesitate. Après, difficulté bisou. Après, easy. Et puis après, TP au clear lag. Hein. Donc, on va enlever les blocs de terre. Et puis, oups. Ça, c'est pour se mettre en peaceful. Enfin, mettre en peaceful. Difficulty peaceful, voilà, bref, voilà. Oh, puis merde. Voilà, donc tac, 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 puis tac. Donc aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais c'est un tuto comment bloquer, comment faire une gigantesque salle comme ceci. Genre, en gros, la commande slash file. Donc la commande slash file, bien sûr, je vais vous mettre ça. Donc X, Y, Z, X, peut-être que le X2, Y2 et Z2, vous n'allez pas trop comprendre. Et puis ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on va apprendre la commande sage-fil. Donc si vous ne connaissez pas la commande sage-fil, c'est comme du World Edit, sauf que vous n'avez pas besoin de la hache en bois et du plugin. C'est comme ça, vous avez aucun command block, no plugin, no mod. Donc vous allez faire hop slash file, donc vous allez appuyer sur tab, après encore tab. Donc tab c'est les pour ceux qui ont le clavier comme moi, moi ma touche elle s'appelle, elle écrit pas tab, mais c'est des flèches avec qui rentrent dans un mur, puis celle du haut elle va à gauche, puis celle du droite elle va à droite, enfin, celle du bas elle va à droite quoi. Puis après vous appuyez sur entrée. Dégager, je m'en fous. Voilà, après ça va vous mettre un message d'erreur. Dégage, voilà. Et puis du coup, vous allez donc aller tout là-bas. Par exemple, vous allez faire tac 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 Minecraft. Après, voilà, vous allez refaire tab, donc tab tab tab. Vous allez faire tab, ça va vous mettre Minecraft. Donc après, vous mettez l'idée du bloc, pas l'idée, le numéro. Mais le bloc en anglais quoi. Donc si on veut mettre command block, donc ça va remplir tout le lobby tuto en command block. Et R c'est pour supprimer tous les lobby tuto sauf bien sûr les command block parce qu'ils sont pas sélectionnés. Donc moi je ne vais pas le faire. Je vais juste vous le montrer avec cela. Donc voici ce que ça donne en vrai. Voilà. Hop, donc, tac. En fait, vous visez le bloc. En fait, voilà, ça marche. Puis là, par contre, je peux pas faire un truc endo. Endo, ça marche pas. Alors, si vous avez mis supprimer, et puis après, vous avez supprimé, puis après, supprimer, puis après. Ouais, donc si vous avez supprimé puis après vous voulez remettre ce que vous avez supprimé, vous ne pouvez pas. Donc faites bien attention. Donc moi je peux mettre en stone. Voilà. Bon, on se détruit. Ça c'est sûr, on peut remettre en stone. Après regardez, on peut faire une cloque. Une cloque, une cloque, une cloque. Oui, une cloque. On peut faire bien sûr une cloque. Tac. 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 C'est pas comme ça. C'est bien sûr évidemment comme ça. Par contre le répéteur le mettez bien sur 2 tics parce que sinon si vous mettez à 1 tic la torche elle crame. Mettez-le bien sur 2 tics. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc on peut faire une cloque là. Stone. Tac. Voilà. Voilà. Ça fait une cloque.
Après, pour faire plus rapide, bien sûr. Donc, pour faire plus rapide, vous pouvez faire comme ça. Je fais comme ça auparavant. Après, vous faites comme vous voulez. Hop. Donc, je fais ma cloque à moi. Donc, moi, pour faire une cloque plus vite que Didido et Gricté. Donc, je ne regarde pas Didido et Gricté, sauf que je le connais à cause de ses lives, des vidéos que je trouve sur Internet. J'ai déjà vu une vidéo, voilà. On n'est pas parlé, on n'est pas ici pour parler de Didido, donc vous voyez. Après, voilà, donc le joueur il pourra le joueur il pourra bien sûr glitcher, il pourra traverser le bloc, donc ça, faites bien attention du coup. Il faut remettre un en bas, du coup vous allez modifier les trucs, vous allez mettre ici, vous allez mettre pas 6 mais 5, terminé. Ce n'est pas ici qu'il faut modifier. Et j'ai mal mis. Voilà. Comme ça. Et puis mince, et mince, et mince. Stone, et ben voilà, 5. Ça m'énerve. 5. Voilà. Et là maintenant, ça a mis deux coups. Genre maintenant, hop. Voilà. Là, ça va le boost, ça va le pousser un petit peu. Mais oui, mais bien sûr, vous vous dites, ouais, mais il peut toujours faire plein de CPS. Puis du coup, hop, il peut être... Traverser le bloc, hein, c'est pas mon problème, voilà, il peut traverser le bloc. Voilà, donc réparer. Donc ça peut être très efficace pour faire un wall de garde no mode. Donc comme créer votre truc. Donc bien sûr, oui, dans peut-être le prochain épisode, je ferai un tuto comment donner des effets au bloc. Oui, j'ai bien dit au bloc. Donc si tu marches sur un bloc du genre on va marcher sur ce bloc là, hop, hop, ça donne un effet, genre j'ai un effet de jump boost. Comme ça. Sachez fait que Turbo, Minecraft, jump boost. 50, 50 et 50 et 1, 9, 9, 9, 9. T'as vu? Voilà. Ah, j'ai un effet de jump boost. Puis hop. Et hop, j'ai dit... Et dit hop, voilà. Maintenant, vous avez un effet de jump boost. Donc, le clear lag, il est là-bas. Donc, ça peut être pareil pour le speed. Regardez, pour le speed, il suffit juste de modifier le jump boost. Vous mettez speed. Voilà, donc, vous avez un effet de speed. Donc, speed, bien sûr, pendant 50 secondes. Après, vous pouvez modifier les secondes. Donc, les secondes, c'est celle du milieu, normalement, je crois. Ouais, c'est celle du milieu. Oui, c'est celle du milieu. Donc, 5. Voilà, 50. Donc, ça m'a redonné un effet de vitesse pendant 50. Ah ouais, bien sûr, vous pouvez mettre deux fois plus vite. Hein. Donc, ça, on pourra le supprimer. Ouais, attendez. C'est juste un petit problème. Oh, dégage-toi. Voilà. Désolé, hein, donc ça, on peut le supprimer. Donc très efficace à faire hein. Sur des maps PHC, des petits... Et aussi on peut mettre des pas que des effets, mais je crois qu'aussi on peut gif hein, quelque chose. Donc très efficace sur les serveurs, hein. C'est connu à peu près. Voilà, donc là on va redémarrer le clear lag. Attention. Voilà, j'ai redémarré le clear lag. Parce que là, à mon avis, ça va... Par contre, ça met pas le nombre d'entités... Ça met pas le nombre d'entités supprimées. C'est ça un petit peu le truc que je peux pas faire parce que ça peut pas compter le nombre d'entités. Peut-être que c'est possible et moi je ne saurais pas le faire. Oui, donc je sais coder avec je sais coder depuis hier je crois. Et puis voilà. Donc c'était juste un petit tuto avec la comment ça je fais. Donc c'était un tuto un petit peu nul, moi je trouve que ce tuto il était un petit peu nul pour une fois. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et abonnez-vous. Bye bye, c'était Stylobo, abonnez-vous.